Alors regardons ce qu'on obtient là. On va enlever l'œil en face de notre backup ici. Et quand on enlève l'œil en face du backup, on remarque que une partie des objets du calque du dessus, ben, ils sont transparents. C'est à cause du masque de fusion que nous allons devoir en fait désactiver. Il nous a servi juste quand on était dans le filtre flou de l'objectif pour déterminer où mettre le flou, avant-plan, arrière-plan. Mais là, on va le désactiver avec la touche Shift, la touche majuscule. Et on voit tout de suite que ils ne sont pas transparents. Le calque d'en dessous ne doit pas être affiché, sinon ça casse une partie du flou, comme vous voyez. Il ne doit pas être affiché, le calque du dessous.